Jacob, I'm not getting any sound. What's going on? Jennifer, can you hear me? Jennifer? Are you getting anything? My earpiece. I don't know if it's the earpiece. I don't know, there's a lot of static. All right, let's take it from the top. City officials have been unable to explain a series of blackouts that have been occurring in Vancouver. And Jennifer, Vancouver is not the only city to be experiencing these strange series of blackouts. New York, Los Angeles, Chicago, Miami, several cities throughout North America have been experiencing these same strange electrical difficulties. We don't know what the cause is. NASA is currently looking into the problem. North American officials across the board have been trying to find an answer, discussing with scientists. The University of British Columbia physicists have also come on board in an attempt to find a solution to the blackouts, or at the very least, an explanation. Allô? Allô? Tu vas bien? Oui, et toi? Très bien, je te remercie. T'as plus le temps de passer? Ah ben oui, mais je bosse, hein. Alors, comment elles vont? Tout le monde va bien, ça va, je te remercie. T'es chez les parents? Ouais, je vais rester une semaine. T'as vu la 13? La 13? Ah, mais la 13. Ouais, tu t'en fous, toi. Non, je m'en fous et pas. Et maman? Tu sais, maman. Bah, demande à maman, tu vas voir. Regarde tout le temps ces feuilletons, nous, on n'a pas le temps de regarder les nouvelles. Hein. Ah, bah, tout le monde s'en fout, quoi. Au fait, tu viens samedi, on sera tous là. Ouais. Si, si, je serai là samedi, je serai là, t'inquiète pas. Bon, est-ce que tu peux me passer papa? Ouais, j'ai pas trop le temps. Passe-moi papa. Allez, je t'embrasse. Salut, bisous, ouais. Ça va, toi? Bah, oui, mais bon. Qu'est-ce que je te dise, moi? Est-ce que t'as vu les nouvelles? Non, je sais que vous avez rien, vous. Bah là, ça fait 12 heures que ça arrête pas. Ah, il est un peu tard, excuse-moi. Ouais, mais je rentre du boulot, ouais. Là, je sais bien. Ouais. Maman, elle s'en fout, hein. Non, t'as vu. Mais c'est qui met ça dans la tête? Non, j'ai un ami, là, qui connaît un physicien. Mais arrête de t'inquiéter. Je m'inquiète pas, c'est juste que... Mais non, je suis pas parano, ça fait 12 heures, pas. C'est pas comme si c'était... Il y en a eu trois consécutives, hein. Ah bah oui. Est-ce que tu seras là samedi? Ouais. Ok. Non, non, je serai là samedi, t'inquiète. Non, je viens samedi, oui. Pas de problème. Bah allez, je t'embrasse. Bisous à tout le monde. Salut, ciao, ciao. Hit the Earth on December 21st. BC Hydro officials, who over the last 2 weeks were unable to explain the origins of the blackouts, have come out and said they are now making plans to come up with contingencies should the... Greg? Jennifer? Oui, salut, c'est Val. Salut Val. Tu vas bien?
Alors le boulot aujourd'hui? Ouais, grosse journée là. En arrivant là, je viens mettre la chaîne numéro 3, enfin la 13 là. De quoi la 3e? Ah, la 13e? Oui, bah c'est... Tout le monde en parle, ils en ont parlé au bureau. Là, je regarde les images, tout le monde commence à paniquer. Mais t'inquiète pas. Bah oui, mais enfin, c'est pas une situation très agréable quand même. Moi, je suis pas tranquille. Mais non, c'est des conneries. Mais t'inquiète pas, je te dis. Oui, bah t'es marrant, toi. De qu'est-ce que t'en penses, toi? Moi, je veux bien les croire, mais... Non, j'en ai parlé avec un ami, il m'a dit que c'est rien du tout. T'inquiète, là, tu peux être tranquille. S'il y a un truc que tu peux être tranquille, c'est bien ça, ouais. Oui, mais... C'est pas confortable. Puis t'es tout seul, t'as personne à qui parler. Dis-moi, est-ce que tu viens samedi? Ce week-end, samedi? Bah, j'avais des trucs de prévu, mais s'il fait beau, moi j'aimerais bien faire un tour en moto, mais avec ces histoires, moi je... Non, mais t'es invité samedi. Alors, bah, bien sûr. Du monde, là. Moi, j'ai pas tellement envie de faire ça. Ouais. Qu'est-ce que j'amène samedi? Bah, t'amènes ce que tu veux, j'en sais rien, moi. Ça me déprime un peu, tout ça. Écoute, j'ai un appel, là. Faut que je laisse. Allez, bonne soirée. Salut, salut Val. Ouais. Ciao, ciao. Salut. Evacuated their homes, seeking refuge in other parts of the city. Scientists are trying to unravel the cause of these surprising turn of events. What caused the solar flare? Flames are creating another fire and they're destroying a nearby town. If you know of anyone driving this area, please tell them to turn back before it is too late. Again, there is a fire happening in the northern area. Jennifer, the mayor, has yet to break his silence concerning NASA's recent confirmation that a giant solar flare is expected to hit the Earth in and around December 21st. He and his counselors have remained tight-lipped as to what they plan for the city in case an evacuation should be needed, in case of fires, gas leaks, and the rest. BC Hydro has confirmed that the recent blackouts, the string of blackouts that the city has been experiencing, are due to a swarm, what they call a swarm, of solar flares. Discussing with scientists, the University of British Columbia physicists have also come on board. Oh, thank God. Allô, maman? Je te réveille? Comment ça, t'es pas couché? Il est 2h du matin. Comment ça? Tu stockes de quoi? De sucre? Mais enfin, mais maman, c'est pas la Deuxième Guerre mondiale, mais arrête tes conneries! Mais c'est n'importe quoi! Mais t'as quel âge? T'as 90 ans ou quoi? Mais arrête, mais il va rien se passer. Mais il va rien se passer. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu vas aller t'enterrer, c'est ça? Tu vas aller dans un abri anti-atomique? Qu'est-ce que tu veux que ça change? Eh ben voilà, bah écoute, faire un repas avec toute la famille, c'est une bonne idée. Oui, bah écoute, je vais essayer de prendre l'avion le 19. Voilà. Non, parce que la fin du monde, c'est le 21, si tu veux. Alors, autant que j'arrive avant, tu vois, pour qu'on fasse la fin du monde ensemble. Hein. Quoi, tu veux que je cuisine? C'est toujours pareil avec toi. Tu organises une grande fête et il faut que ce soit moi qui fasse la bouffe. Mexicain? Mais j'en ai... N'importe quoi, mais ça te prend comme ça? C'est bientôt la fin du monde, il paraît, tu veux que je te fasse la bouffe mexicaine? Mais c'est n'importe quoi. Ah oui, ben voilà, un traiteur, ça c'est une bonne idée. Très très bien, ça va encore te coûter la peau du cul et tu vas me dire, ah ouais, j'ai plus un rond. Oui, je sais, mais je t'aime aussi, maman. Non, je t'assure, je prends l'avion, je vais essayer de changer mon ticket pour le 19. Non, voler le 21, c'est pas une bonne idée, non, c'est clairement pas une bonne idée. Et puis bon, c'est Noël, hein? Donc oui, les enfants, oui, ça me fait très plaisir que tu réunisses tout le monde. Les cousins aussi, oui, c'est une bonne idée. Non, ne te fais pas de soucis. Non, il ne faut pas s'inquiéter, maman, ils disent beaucoup de conneries. Allez, je t'embrasse. Ciao.
And that's the latest updates. That's the last information we've received from city officials. It's all the information I have for you tonight, Jennifer. Thank you, Erica, for that update. We hope to have more news about our city officials and the solar flare after these commercial break. Thank you for tuning into our top story. We've just received confirmation by our sources that a massive solar flare will hit the Earth. Predictions by the scientists are said to be made around December, mid-December. Now we realize that this is quite similar to what the Mayans predicted, meaning prepare for the worst. I'd like to thank Erica for her reporting. Always a pleasure. I'd like to thank the crew at the newsroom. Thank you all for watching. Good night. We're so fucked. Ah, ça y est. Bon, qu'est-ce que t'en penses des news, là, en ce moment? C'est quoi, ce délire? C'est n'importe quoi. Moi, je sais plus à quel ça me vouait, ce truc-là. Tu te rends compte? C'est la fin. Freddy, c'est la fin, là. Non, attends. C'est la fin. Sérieux, quoi. C'est pas parce qu'on va avoir 3 ou 4 petits orages solaires qui vont perturber nos communications, qui vont perturber notre trafic aérien, qu'on va se retrouver à disparaître de la planète, quoi. Faut pas déconner, non, quand même. T'as pas suivi. Il y a deux sources différentes. Il y a la NASA. Déjà que la NASA, des fois, déjà, jamais ils annoncent des trucs pareils, mais en plus il y a toute la communauté scientifique qui annonce ça. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que j'aille me tirer une balle dans la tête, c'est ça? Concrètement, on fait quoi? Le 21 au soir, tu fais quoi? Tu vas au cinéma? Qu'est-ce qu'on fait? On s'achète 3 douzaines d'huîtres et on se gave et on se bourre la gueule et puis on attend que ça passe. Voilà, avec des copains, avec toi, hein, voilà, on bouffe, on s'éclate, on raconte des conneries, on regarde Avatar à la télévision. Non, l'électricité, bordel! Ben, on peut toujours se bourrer la gueule sans électricité. Vin rouge, ça n'a pas besoin d'aller au frigo. Are the cell phones back on? I'd like to call my mother. Why don't we just cancel it tonight? I mean, is anyone really watching us? No. We're back. Yeah. Okay. We're asking people to stay calm. We're calm. And to keep your loved ones close by, but to remember that it'll be okay. Hello. Hi. Thank you.
Dr. Bird, it's Erica Bowman from Channel 13. We spoke last week about NASA's announcement. I was just wondering if we could interview you for... I just need to talk to you. I need to hear you tell me the truth. Please call me. Some matches? Yeah, sure. Also, I don't have any cameras. Why don't you come in? It's okay? Yeah, I know I have some, I just can't find them. So, you're French? Yes. On peut se parler en français alors. Ah, tu parles français? Ben oui. Impeccable. Est-ce que mon anglais il est pas terrible? Écoute, je sais pas où je les ai mis et il y a pas d'électricité, il y a pas de musique, il y a pas de télé. Tu veux rester pour un verre de vin? Et du vin sur le comptoir et des verres dans le placard. Tu as du réseau? J'en ai sur Wind, mais pas sur Rogers. Tiens. Merci. Bon, j'ai rien du tout, moi. Non. Ça craint. Santé. Santé. Il fait froid chez toi, là? Ouais, j'ai plus de chauffage, plus rien, là. Je sais pas ce qui se passe. Non, plus j'avais jusqu'à quelques minutes, j'ai l'impression qu'il va faire froid ce soir. C'est quand même étrange, non? Avec tout ce qu'ils disent, tu penses que ça peut aller... Moi, j'y crois pas trop, quand même. Je pense que c'est momentané et que ça va pas durer trop longtemps. Non, tu sais, à travers les siècles, il y a quand même eu des crises, des tornades, des tremblements de terre et tout ça, et puis on s'en sort toujours, quoi. L'humanité, ouais. L'Holocauste, tout ça, et on s'en sort toujours. C'est ce que je me dis, ouais. J'ai pas trop peur, c'est juste que... Ils nous font tellement peur avec tout ce qu'on entend, tu vois, c'est... Dans les médias? Ouais. Je sais que tu connais. Mais non, je... J'aimerais juste avoir un peu de nouvelles de mes proches, mais pour l'instant, je peux pas trop les appeler, quoi. Mais j'espère que ça va se résorber assez rapidement. Tes parents sont... Ouais, ils sont... Bah ouais, ils sont en France, j'arrive pas à les joindre. Là. Oh. Mais, ouais. C'est assez long. Mais ça va, j'ai pas de... Je m'inquiète pas trop. Là, j'étais avec un ami tout à l'heure, là, et il me dit, je te rappelle à 6h, ben, j'attends toujours, tu vois, je sais pas s'il va pouvoir... Non, mais c'est une question de réseau. Ouais, je pense non. Je pense que tout le monde a perdu les réseaux, c'est comme avec l'ouragan Sandy aux États-Unis, je pense qu'on a perdu
Les réseaux au boulot, on avait perdu tout l'internet et tout pendant plusieurs heures. Alors, je pense. T'as pas trop à t'inquiéter, je pense. Mmh. Attends, j'ai un appel. C'est celui-là. Tu sais, moi, ce que j'aime, quand il fait froid comme ça, puis là, c'est l'occasion, t'as pas besoin d'électricité, rien du tout. C'est une fondue. Tu connais la fondue? Ah, j'adore ça. Entre amis, tu manges, tu bois du bon vin blanc. Si tu veux, je peux en faire une demain. Si tu veux, j'ai tout ce qu'il faut à la maison. Si ça te dit, tu viens. Moi, y a pas de problème. Ah ouais. Ça me ferait plaisir. Sors dehors prendre une bouffée d'air. Ouais. Je pense très très fort à vous, tu sais. Mais oui, je sais, tu penses à moi aussi. Moi, c'est difficile, je sais. Mais l'avion, maman, mais je peux pas prendre l'avion. Il y a pas d'avion. Et oui, tout est fermé. Moi aussi, je voudrais venir, mais c'est là, ça va pas. On peut rien faire. Personne peut rien faire, maman. Je pense très très fort à vous. Je vous aime, maman. Allô? Allô, maman? Allô? Mais qu'est-ce qu'on fait là? Je veux juste aller dehors. Je veux simplement aller dehors. C'est le moment de conduire. On voit rien du tout. Ça serait pas mieux de s'arrêter. Tu sais quoi, t'as raison. Is thrilling and all the world is twirling for us. I can see now a new constellation, so much anticipation, and all imagination is ours. The sky crash into the ground.
Let the lights flash all around. Just look at me. Cause you're the only one I see. Stars.